Tatamayo, Tatamayama Terubunto. Tatamayo, Tatamayama Terubunto. You manteruto is Obamae. Baman Saruke be pum pum. Baman Saturu dung it on Charon Chong. Bamba la boite. De pâte, le seul boss que je n'ai jamais eu. Gars, t'as pas ce gâteau, il sait, arrête de l'abandonner. Et qui est? Donc c'est à cause de la nourriture que je joue, mon pote. Tu ne veux plus. Tu sais, celui qui refuse à manger n'a jamais vu la famine passer dans une maison, dans le noir où tout le monde dort. Tu es un habitué. Il ne faut jamais se rappeler pendant la nuit qu'on a passé une journée sans manger. Mon Dieu, tu vas tourner dans le lit là comme un mauvais esprit. Je te dis. Ma chérie, voilà, apporte-nous deux jours de 5500, c'est moi qui paye. Une journée payante. Mon frère, c'est la seule chose à ton part. Merci, mon bébé. Merci. Ah, c'est un peu mon ami. Mon ami, maintenant qu'on est un peu plus posé, tu peux me dire pourquoi tu n'aimes pas parler de politique? Car encore toi avec la politique, pourquoi tu tiens tant à avoir mon avis là-dessus? Gars, nous sommes jeunes et explorer de nouvelles choses, c'est pas mauvais. Tu vois, dans un monde où les choses ne changent pas, les hommes politiques au moins se peuvent faire en sorte... Gars, oui. Regarde la petite qui descend de la moto là. Tu la connais. Et qui est? Toi aussi, t'es le gros cœur. Tu sais pas que ça nous tient de grands se cacher. Tu as demandé si toi tu la maîtrises. Est-ce que tu as demandé si c'est pour l'écran? Moi, je suis pas grand. Ça va, alors je la maîtrise. Elle est esthéticienne et elle travaille pour une dame dans un salon de la place. Mais laisse-moi te dire, mon frère, souffre de m'écouter. C'est pas ton niveau. Donc le Yamo est devenu une question de niveau. Comment faire pour la rencontrer? Ok. Elle traîne, après son boulot, elle traîne souvent dans un bar là à côté, là, le bar d'à côté. Elle vient souvent là. Elle est esthéticienne. Et tous les soirs, elle est au bar. Elle travaille là-bas. Donc quand je dis que c'est pas ton niveau, tu ne comprends pas. C'est une artiste. Elle est mannequin et c'est un peu la star de la ville. Je vois. En dehors de ça, tu sais quoi d'autre de sa vie? Hey, sa vie politique. Comment tu fais pour te retrouver dans la politique à cet instant précis? On t'a déjà perdu, Antoine. Ah, laisse alors. Bien. Bonsoir, mon fille. Bien. Bonsoir, ma fille. Qu'est-ce que tu nous as apporté? Maman, il t'est déjà arrivé de te demander comment j'ai passé la journée? En quoi ma question changera ce qui s'est passé en journée, ma fille? Fouille plutôt ton sac et donne ce que tu as apporté à maman. Je n'ai rien. Quoi? Ça fait une semaine que tu n'apportes plus rien dans cette maison le soir. Si ça continue ainsi, tu vas aller vivre ailleurs. Vivre où? Ici, c'est chez mon père. Qui était mon époux? Tu te crois où, enfant? Tu devrais avoir honte, maman. Pendant que les mamans de ton âge se battent pour chercher à manger pour leur famille, toi tu es là, tu croises tes bras en attendant que ta fille fasse ton devoir. Tu penses que je ramasse de l'argent en route? Prends n'importe où. Même si c'est dans n'importe quoi, ce que je veux c'est de l'argent. Il m'arrive parfois de douter que tu sois ma mère. J'ai dû arrêter mes études à cause de ton état de santé. Le travail qui aujourd'hui nous donne à manger, je n'ai pas pu finir ma formation par manque de moyens. Aujourd'hui que tu vas mieux, tu devrais te trouver de quoi te nourrir. Là, je suis fatiguée.
De toute ma vie, je n'avais pas encore vu une fille aussi belle que cette fille-là. C'est mon style de femme vraiment. Je suis par ici, Pat. Je ne savais pas que tu revenais maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Je suis le journal. Le journal, tu attends une nomination? Je dois être informé de tout ce qui se passe sur la scène politique au Cameroun. En passant, tu penses quoi de la politique de Nkunkuma? S'il te plaît, Anto, c'est pas le moment. Tu m'as dit que la petite, la dernière fois, est au Snap tous les soirs. Oui, jeune rêveur. Pour ne pas perdre ma chance, je rentre un peu plus tôt aujourd'hui. Attends, donc tu as décidé de ne pas lâcher prise? Serais-tu prêt à arrêter de parler de politique? Pour vivre ce qu'est l'espoir, mon frère. Donc tu as tout compris. Ok. Entre Anto, c'est pas fermé. Mais on dirait que tu veux un rendez-vous galant. Tu tombes bien. Je vais au snack là et je voudrais que tu m'accompagnes. Mon frère, tant qu'elle est bien, je n'ai aucun problème. Ça tombe bien. Comment tu me trouves? Tu es super élégant. N'est-ce pas? Sauf ce bouton qu'il faut. S'il te plaît, moi. Voilà. Tu penses que j'ai une chance? Tu es super, c'est bien. Est-ce que toi tu penses que j'ai une chance? Non, super. Ok, on peut partir. Ok. T'inquiète. Naomi, tu ne m'as jamais dit pourquoi tu aimes passer du temps dans ce cinac. Tu cibles un bon gars là-bas. C'est la solitude, ma copine. Ma mère ne me laisse pas assez d'espace à la maison. Et du coup, quand j'y vais là-bas, je vois les gens s'amuser, ça me donne la force d'avancer. Qu'est-ce qui se passe avec ta mère? C'est vraiment compliqué à expliquer. Après le décès de papa, elle a vendu tous ses biens pour faire sa vie avec son petit copain sans même penser à mon avenir. Et aujourd'hui qu'il n'y a plus rien, elle me force de travailler pour maintenir son standing de vie d'avant. Et là, je ne peux plus rien pour elle. Et c'est pas faute d'avoir essayé. J'ai des projets qui me tiennent à cœur. Et pour cela, je dois m'ouvrir à mon propre compte. Et pour y parvenir, je dois finir ma formation. Je n'étais pas au courant de ces parties de Tamst. C'est vraiment triste. Voilà pourquoi je ne parviens pas à m'ouvrir, vraiment. Je suis un peu plus grand. Oh, my,